avec donc Greg Ostasiewski en pôle, on l'a dit, devant Yoick Montagne. Derrière, on aura Lionel Montagne et Théo Calvé. Vous les avez interviewés tout à l'heure, il y a quelques instants. Ça va nous réserver un très beau spectacle sur le départ. Thomas Robineau, Anthony Janiec, Aurélien Ergot, Raphaël Souza. Et puis ensuite, on trouvera Franck Conti, Yvan Rodriguez, Patrick Chatelain, Stéphane Longuilla, Martial Defay, Kevin Bassanelli, Laurine Orsini, Sébastien Descoff, Clément Perrin, Fabrice Chéno, José Souza, qui fait un petit place de pénalité sur la grille de départ, qui s'élancera donc 19e. Il me semble, vous allez sur l'extérieur de Yoick Montagne qui va essayer d'aller chercher la ligne intérieure pour l'épingle de Manson et pourquoi pas essayer de... devant Lionel Montagne avec Théo Calvet juste derrière. Théo qui devance Thomas Robineau et Yoick Montagne qui a perdu trois positions. Anthony Janiec qui est bloqué derrière Yoick Montagne. Attention également Aurélien Ergot qui est sous la menace de Franck Conti. Un départ qui a été plutôt propre mais très dommageable j'allais dire en termes de position pour Yoick Montagne. Ouais.